Yo, c'est Farfadet avec le site Interpera. Allez voir le site inter-pera.com. On ne pouvait parler de nous, imagine. On était seul contre la grosse machine. Fallait que la confiance règne au sein du crew. Mentalité tout ou rien, ou rien du tout. Les jaloux parlent beaucoup et restent coupables. Do that shit. Il représente beaucoup parce que mon premier album a été fait en 2005. Donc ça fait quand même 8 ans qu'il a été fait. Puis c'est beaucoup une transition de vie de jeune adolescent qui est passé maintenant, je suis un adulte, c'est ma vie d'adulte que je raconte. Puis donc ça représente beaucoup, ça représente aussi 2 années de travail. J'ai pas mal fait toute la production des beats à part 2 chansons, donc c'est beaucoup de travail, ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Parce que j'avais hésité en plusieurs trucs, puis après réflexion, c'est des gens du label qui m'ont proposé ça, d'appeler ça FRF, parce que c'est très personnel en même temps. C'est un album qui est beaucoup ça, introspectif. Donc on a décidé ça d'appeler FRF. C'est une bulle de, je dirais, une 50aine de minutes qui est toute faite par moi, les beats, comme on disait, les paroles écrites aussi. Donc c'est la bulle FRF. Ben, je trouve ça important des fois de pas juste s'en tenir à ce que le rap nous a donné comme base. Puis j'aime ça, je viens d'une famille de musiciens, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres chansons. Donc j'aime vraiment ça, explorer d'autres terrains. Comme si on pense à Quoi de bon, c'est une chanson que j'ai faite avec mon père à la guitare, à la basse, beaucoup plus jazzy d'un air. Je dirais aussi non, Illusion le paradis, que je me suis accompagné au piano, j'ai juste composé la chanson avec mon piano. D'habitude on compose avec des instrus. Donc c'est ça, c'est juste pour me sortir un peu là, de ma zone de confort, je dirais. Parce que c'est ça, c'est dans le processus de la chanson. Avec mon père, on se disait qu'on avait besoin de trompette. Donc on cherchait un trompettiste. Puis Charlie Pop, qui est un ami d'enfance, mon père m'a dit, ben demande à Charles, Charlie Pop, c'est lui qui pourrait le faire. Il émite des trompettes comme personne. Donc en même temps, on est des amis, qu'on a collaboré, on est allé à la même école. Donc on s'est toujours suivi dans nos carrières, un peu. Donc on s'est contacté, je l'ai contacté, puis tout de suite il a accepté. C'était juste naturel. Puis en même temps, c'était original encore, quand je disais de sortir des zones de confort. D'y aller avec un beatbox, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pris cette voie-là, je dirais. Le travail avec eux, Carlos, mon gérant regarde, fait que là je me sens un peu mal. Non, non, le travail avec eux, pour vrai, c'est vraiment nice. Ils nous emmènent à un autre niveau, les gars sont toujours là. T'sais, la promo de l'album, elle a vraiment été bien faite, ça a été fait professionnel. Grâce à eux, j'ai aussi accès à des beaux vidéoclips de bonne qualité, des bons concepts, donc je suis bien entouré. Oui, mais on veut pas brûler le punch, donc on a environ 2 clips sur la table là, qui s'en viennent, on veut pas brûler le punch. On vous laisse deviner. Oui, encore là sur la table, on a un album qui va s'appeler Musique de Jungle, avec moi, Rhymes et Confus. Étant donné que Confus faisait partie de l'équation dès le départ de Django Music, c'est juste qu'il était moins présent sur le CD pour des causes personnelles. Puis là, il va être là à fond, pause, sur la prochaine musique de Django. Oui, on a beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Ils vont apparaître au bas de l'écran. Non, c'est de la jam. Non, il y aurait le 27 à Montréal, à où? Le 30 août à Saint-Hyacinthe, on est le 6 septembre pour la première partie de Médine au Club Soda. On est le 21 septembre à Charny pour le lancement à Québec. On est le 28 septembre encore à Montréal, à Ville et Mort, si je me trompe pas. On est le 5 octobre à Québec, à l'Impérial pour le lancement à HHQC. Le 27 ou le 26 octobre, désolé pour les dates, on va être à l'Olympia pour aussi le gros show HHQC. Donc pour vraiment toutes ces infos-là condensées, puis plus claires, je vous conseille d'aller sur le fanpage Farfadet Django Music. C'est vraiment là qu'il est le plus facile d'avoir toutes ces infos-là un peu moins floues. Ben, il y a des chansons, étant donné, comme je disais tantôt, que c'est moi qui ai fait les beats,
Il y a des chansons qui ont changé plusieurs fois de style et de beat, tout en gardant des fois les mêmes paroles, en changeant de refrain. Comme la chanson « Penser à rien », elle a changé de titre deux fois, puis de beat six fois. Donc on est parti d'une version de guitare flamenco, du piano un peu plus deep, à le beat Wild Out qui est sur l'album, qui est complètement différent de tout ce qu'on avait eu avant. Puis c'est ça, la plupart des chansons ont changé de beat au moins une fois, deux, trois fois, certains comme je dis cinq ou six, pour en arriver à la recette qui pour moi était parfaite pour ce sujet-là, pour ce style-là. Je te dirais, ouais, non, mais c'est I am the greatest de Mohamed Ali. Je pense que c'est le bon moment. Là, c'est, you know. Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Je crois pas. Allez vous procurer l'album FRF en vente partout dès le 27 août. Abonnez-vous sur le Farfadet Jungle Music si c'est pas déjà fait. Puis. On se voit dans toutes les shows. Maximum respect à vous.